qui se cache derrière le prénom Claudine. Après avoir multiplié les déceptions sentimentales, Thierry a enfin trouvé l'amour auprès de cette Bretonne âgée de 64 ans. Une idylle, à distance pour le moment, qui comble de bonheur l'agriculteur emblématique de l'amour et dans le pré. En effet, le viticulteur n'a plus qu'un seul mot à la bouche, Claudine. S'il ne cesse d'en parler depuis sa première apparition dans l'émission Famille d'agriculteurs, diffusée ce jeudi 6 avril sur RMC Story, Thierry ne l'a pas encore présentée aux téléspectateurs. Et pour cause, sa chair est tendre étant souffrante, elle n'a pu le rejoindre sur son exploitation lors du tournage. Mais merveille de la technologie, le public a enfin pu faire la connaissance de cette dernière. Loin de son agriculteur chéri, Claudine ne peut s'empêcher de penser à lui. Dès lors, la sexagénaire lui a fait une tendre déclaration par le biais d'une émouvante vidéo. Un bonjour de ma Bretagne natale où des impératifs me retiennent un peu loin de toi. Au coquin de sort, a-t-elle expliqué en préambule de ce message. Avant de poursuivre, ce petit mot pour te dire que tu me manques énormément. Mais bientôt, le retour dans ton Vaucluse, avec tes vignes et tes oliviers. Et surtout dans tes bras. Je t'embrasse fort mon petit Thierry. Difficile alors pour l'agriculteur de 66 ans de retenir ses larmes. Bouleversé par les mots de sa chérie, Thierry n'a pu cacher son émotion. C'est beau ça. Ça fait du bien d'entendre ce qu'elle me dit. A-t-il confié. Dès lors, Thierry se languit de retrouver sa douce Claudine qui représente pour lui l'avenir. Supérieur à supérieur à l'amour et dans le pré 2022, top 10 des moments qui ont marqué cette 17e saison Thierry, l'amour est dans le pré, son cadeau fait main pour Claudine ne pouvant être aux côtés de sa chérie pour prendre soin d'elle, Thierry a alors décidé de lui réaliser un petit présent. Le viticulteur a rivalisé de créativité pour lui fabriquer un cœur à partir d'un morceau de bois d'olivier. C'est un petit bout de mon cœur à travers mes doigts et mes pensées. Ce n'est pas grand-chose, c'est rien mais j'ai envie de lui montrer que je tiens à elle, c'est tout, a-t-il déclaré. Et bien évidemment, Thierry espère se voir de chaleureux remerciements de la part de Claudine. Peut-être que j'aurai le droit à un bisou, va savoir. Pour un bisou, on est prêt à faire des folies. Quel coquin ce Thierry. Crédit photo, capture d'écran famille d'agriculteurs, RMC Story.